Yannick là, c'est qui? Yannick, c'est le meilleur. C'est le super-héros de l'épisode No Limit. Voilà, Yannick, c'est le super-héros de l'épisode. C'est le personnage principal du film qui est ici en train de vous raconter. Voilà, toutes mes vidéos que tu vois sur YouTube, Yannick, c'est le super-héros, c'est le personnage principal. Donc, tout ça s'est passé l'année passée. Tout ça s'est passé l'année passée. Et moi, j'ai commencé à sonner la petite cette année en janvier. Ah ouais, bro. Ouais, bro. Ouais, bro. T'es l'homme. C'est fort, hein? Attendre tout ce temps-là pour sonner une petite, au moins 2 ans, hein? Ah ouais. Bon, t'es fort. Les bêtas, ils sont forts, hein? C'est que les gens ne comprennent pas. Les bêtas sont forts, hein? Après, il faut être fort d'esprit. Il faut être fort d'esprit pour attendre 2 ans pour mougou une petite. Et toutes ces foutaises-là. Il faut être fort d'esprit. Mais non, pensez, non. Voilà, la patience paye. La patience paye. Il a patienté ce qu'il a eu. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que quand tu vois, il y a des bêtas qui sortent derrière les femmes-là. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Parce que les bêtas aussi mougou les go. Vous devez comprendre ça. Les bêtas aussi mougou les go. Mais c'est de cette manière-là que les bêtas mougou les go. Tu vois un peu? C'est de cette manière-là que les bêtas mougou les go. En se rabaissant, en acceptant toutes les merdes de la go, en acceptant d'attendre, en mettant tout de côté, en donnant tout à la go, jusqu'à ce qu'elle ait pitié de toi. Oh, il me fatigue même. Oh, il me fatigue. Elle lui donne, il va me laisser. Oh, il me fatigue lui là. Oh, elle lui donne. Sinon, les bêtas mougou les go. Mais c'est de cette manière-là qu'ils mougou les go. Tu vois un peu? Voilà. Donc, tout ça s'est passé l'année passée. Elle commençait à sonner la petite cette année en janvier. Ouais, bonne année, bro. Bonne année, meilleurs vœux. Puis on a eu des problèmes avant-hier. Vous avez des problèmes depuis le début. Aïe! Depuis le début, vous avez des problèmes. Elle n'a même pas des problèmes. C'est toi ton problème. Avant-hier, un petit amour qui est à la fois le mec de la petite maman de ma copine, mais forme qui connaît le gars qui avait déviergé ma petite. Il dit la petite est déviergée depuis. T'as vu, non? Le message n'est pas cohérent. Quand elle était petite, son oncle l'a violée. Et puis maintenant, toi, tu connais le gars qui a déviergé la petite. Ou bien, les mots, regardez, commentez et comprendre. Commentez et comprendre. Commentez un peu et comprendre. Ou bien, si vous comprenez, la petite, quand elle était petite, le mari de sa tante l'a vue nue et puis l'a violée. Maintenant, son petit frère s'en vient lui dire que non, lui connaît le mort qui a déjà la petite. Le message est bizarre. Ou bien, le message est bizarre, les gars. Ou bien, si elle m'en dit, moi. Le message est bizarre, le mail est bizarre, ou bien je ne sais pas si c'est lui qui a mal écrit, ou bien c'est la go même qui le prend pour bête, ou bien eux tous sont bêtes, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils l'ont violé quand elle était petite. Et là, tu connais le gars qui l'a dévégé. Cette histoire-là ne tourne pas rond. Et tout ça ne tourne pas rond. Et sa petite maman m'a dit que le gars en question avait sonné la go en septembre dernier. Il la sonne depuis toujours. Et puis, ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup qui la sonnent. Moi, la fille m'a quitté 2 semaines avant son examen. Oui. Moi, là, la fatigue. Quand la boîte commence à l'énerver. Oh, toi, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Yannick, quand il a fatigué là-bas, toi, quitte là. Va me fatiguer, tchè. On s'est remis en couple en septembre. Vous n'avez jamais été en couple. T'es remis en couple. Toi, t'es en couple, elle, quoi. Elle te sent même pas, toi, t'es en couple. Mais j'ai pas dit à Margot le nom des gens qui me l'ont dit. Elle m'a juré que c'est faux. Qu'est-ce que je dois faire, nos limites? J'ai besoin de tes sages conseils. Bon, conseil que moi, elle t'a donné, elle t'a pas accepté. Ou? Conseil qu'elle t'a donné, elle t'a pas accepté. Toi-même, dans cette situation, tu dois te conseiller. Il y a les meilleurs conseils, c'est quand toi-même tu t'assois et puis tu te conseilles. Vrai, vrai. Quand tu t'assois et puis toi-même tu te conseilles, c'est là les conseils sont bien. Peut-être que tu n'étais pas assis devant le miroir pour te regarder et puis tu as dit que c'est vilain, il faut que je cherche l'argent. Hein. Tant que tu n'étais pas assis devant le miroir pour te dire ça, tu n'as pas à comprendre. Claire, puis il faut qu'un jour tu t'assois devant le miroir pour te dire que je suis vilain. Attends, c'est moi ici là. Non, il doit chercher l'argent. Non, il doit m'améliorer.
Non, il doit m'améliorer. Mon ventre est gros, hein. Il doit. Quand toi-même tu commences à te conseiller, c'est là maintenant que tu te conseilles. Moi, il a commencé à grossir à cause de mon problème de peau. Et puis, si parti de m'arrêter, il me dit, hé, nos limites. T'as gros ventre, il a recommencé à partir à la salle, à l'heure ici, en perte de poids. Tu vois un peu? Ici, en perte de poids. Puis, il me dit, regarde dans le miroir, il dit, ah, Dave, tu peux pas te laisser grossir comme ça. Puis, il avait un problème de peau. Et je suis allé en fait voir un dermatologue pour régler ce problème de peau là. Il a commencé à aller à la salle pour perdre de poids en fait. Mais ça venait de mon cœur en fait. C'est l'autosuggestion. Moi-même, je me suis dit que, ah petit, il faut que tu prennes des directives. Petit, dis aux gens en fait de ne pas grossir. Toi-même, tu es en train de grossir. Même si c'est un problème là, va chercher à régler ce problème là. C'est moi-même, je me suis assis devant le miroir et puis je me suis dit ça. Personne ne m'a dit. Les meilleurs conseils, c'est toi-même qui te les donnes. Va. Les meilleurs conseils là. C'est toi-même qui te les donne. Personne ne donne conseil. Il peut te donner un conseil, tu as fait autre chose. Il peut te donner conseil, tu as fait autre chose. Et c'est ce qui m'arrive. Quand il donne conseil aux gens, ils font autre chose. Parce qu'il n'est pas honnête à lui-même. Ou bien il est trop attaché là, go, il ne sait pas c'est dans quoi, c'est dans quel fétiche le goulard vous met. C'est dans quel fétiche le goulard vous met, même. Je l'aime tant. Lui qui avait dit s'approcher de moi, il le gifler. Je l'aime tant. Il vient me boucher. Oh, le gars là, allez. Je l'aime tant. Si t'es pas maudit, tu peux pas dire oui. T'es pas maudit. Tu peux pas dire les bêtises qu'on, je l'aime tant. Tu peux pas maudire, tu peux pas dire les bêtises qu'on. Ok, ton les morts, envoie les demandes en causer maintenant. Envoie les demandes. Maintenant, l'épisode va commencer. L'épisode de Yannick. Ce que tu peux te donner, c'est quand tu te regardes dans le miroir et puis tu vois que, hé, hey, il s'est filé. Pour ta. Est-ce que mort, quand tu te regardes, est-ce que toi-même tu peux sortir toi-même? Ne vous reconcentrez pas d'abord. Ne vous reconcentrez pas. Comment hein. Envoyez les demandes ici là maintenant. Vous m'avez lu l'autre mail. Si vous voulez qu'ils lisent l'autre mail, dites-moi. Hein. Il y a beaucoup de mails. Maintenant, ils pensent à traiter les mails en live même. C'est un peu plus intéressant. Là, il y a les réactions des gars. Vous pouvez écrire ce que vous pensez aussi. Envoyez les demandes. Il y a plein de demandes. Ils acceptent, ça passe pas. À sauver quelqu'un. Excusez-moi pour ma femme. Bonsoir, mon frère. Dieu merci. Comment êtes-vous aidé? Oh, c'est juste expliquer une histoire un peu. D'abord, c'est le problème. Un bon moment depuis le mois de février, j'ai réussi. Ok. Pour moi, je vous ai connu. En tout cas, c'est bien tombé. C'est bien tombé. Ah, d'accord. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos. Mm-hmm. Plein de choses. Et vraiment, j'ai su dans tes vidéos. Voilà. Mm-hmm. Parce que j'étais en relation avec une petite, quand on était constant, on a fait la relation. On a fait 5 ans dedans. Hein. Oh, 5 ans de relation. Ouais. Être okay. Bêta, c'est une maladie. Ah, être bêta, c'est une maladie, tu. C'est une vraie maladie. On doit éradiquer ça. Il te parle de quelque chose. En tout cas, lui, il est là pour ça. Expliquer ta situation, ça peut aider les petits frères. Voilà. Je me disais que c'était l'amour. Hein. Je me disais que c'était l'amour. Dja, il était un gros bêta, vraiment. Un gros bêta. J'étais la petite, tout allait bien. 2 ans de relation, je commençais à constater des trucs bizarres dans le téléphone de la petite. Et puis, le fait avérer maintenant, la petite me trompait. Et puis bon, je
une, je crois bien que lui, elle avait eu infection où j'ai financé à l'hôpital tout et tout. Ça, c'est pas toi qui lui as donné, c'est un autre gars qui lui a donné. C'est un autre gars. Forcément. Comme Dieu fait les choses, un mois après, ou bien je sais pas, ouais, c'est un mois après, après le traitement, il m'a appelé. Et quand il m'a donné son téléphone, j'ai fini de communiquer. En même temps, quelque chose m'a dit, oh, il faut réagir quelque chose dans son téléphone. Donc, moi, j'ai le téléphone et check. J'ai pas l'habitude de faire. Check. Il tombe sur sa conversation avec un monsieur là-bas. Donc, il rentre là-bas. Moi, c'est une chose qui a causé, il tombe sur sa bouche. Ouais, elle parle de la maladie dentaire. Ah, bah ça. La maladie qu'elle a. Infection qu'elle a eue. Elle tape le son dedans. Non. Ah, tiens. Enfin, dernière, quand on a fait le mouvement, c'est là que j'ai pris infection. Après, ici, c'est sorti. On a utilisé tel produit-là et c'est allergique à ça. Donc là, il ne peut pas venir chez toi. Le médecin m'a donné un traitement de temps. Donc, je suis en train de suivre ça. Donc, il ne peut pas venir chez toi. Après, vous étiez où à l'hôpital? En ce moment, j'étais étudiant. Quoi ça? J'étais étudiant. J'étais étudiant en ce moment. Donc, je vois que. Ah! J'ai fini. J'écoute deuxième message encore, notre vocable. Ça va me dire. Bon, c'est en tout cas, si je peux venir chez toi, mais on ne va rien faire. Et tu comprends? Oh. Il n'était pas de quelque chose. Et puis il prend le oui et vient. Il m'a dit, il met le oui. Il me suis transféré d'abord. Et puis il prend son téléphone. Il dit, il rentre dans tel nom. Elle est là. Et elle est allé jusqu'à elle. Il dit, à quoi? Tu as vu quoi? Donc après, là, moi, il sort. Et dès qu'il part, il revient. Elle a supprimé tout. Tous les oui qu'on. Maintenant, dans la conversation, il dit, de la note pour tata, tu me prends. Bon, mais il y a ça. Bon, mais ça, il a mis ça. Elle commence à pleurer. Elle va toujours pleurer, Dieu. Dès qu'on l'attrape, elle pleure. J'ai dit, Dieu fait faire les choses. C'est où elle a voulu coucher avec moi, mais je n'ai pas accepté. Tellement que j'étais énervé. Propre. Dit, non, je n'ai pas fait ça. Puis, si j'ai accepté, ce n'est pas hypocrisie. Si tu acceptes, oui. C'est comme ça, elle demande, elle tue le discours. Oui. Tu avais couché toi, c'est pour tuer le discours. Je suis allé me promener. Je suis allé me promener, ça m'a fait mal. J'ai fait quelques jours, je ne venais pas en cité, tout ça là. Son petit frère m'a appelé, on a causé. Après, je suis arrivé, elle avait renversé la situation qui est passée. Moi, elle voyait les messages des voix dans mon téléphone, les voix quand j'ai dit, moi, les messages que tu voyais dans mon téléphone là. Quand tu as vu dedans, moi j'ai croisé une fille. Il dit c'est le message, mais quand tu regardes là, tu vois que c'est le message. Je ne répondais pas aux filles, elle répondait bizarrement. Même quand elle me donne rendez-vous, je ne partais pas. Les seules filles que je croisais, ce sont des filles où j'ai traité business avec eux, à part eux là. Moi je partais à leur rendez-vous. Je ne t'en dis pas, c'est ça. Et puis il y a eu une. Je t'écoute, continue à parler, t'écoute. Il y a eu une, je traitais business avec elle. Parce que non, Jean, je couchais avec la fille, elle a commencé à faire des histoires avec la fille. Elle a dit, il ne faut jamais. Mais grâce à elle, je gagne de l'argent, je fais tout ce que tu veux. Jusqu'à ce qu'elle ait. Et puis, dans ce projet, elle a eu tout ça. Dieu merci, moi, j'ai eu un mouvement, j'ai eu un para où j'ai. J'ai attendu mon affectation. Je merci. Merci le premier, voici le deuxième. Il y a deuxième encore. Et bien deuxième encore. Fuck, Bocli. Il fait discours après. Non, elle, bêta, c'est quelque chose. Hein. Et bien, bêta, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Très dangereux. Tape-le sur le deuxième. Il explique ça à l'une de mes camarades, elle est comme une soeur pour moi. Elle-même a dit que la petite là, pour le laisser. Parce que ce que tu as vu deux fois, ça va continuer. Moi, je suis femme. C'est son habitude, il y a longtemps, elle est dedans. Qu'est-ce que ça va continuer? Ça se passe depuis longtemps. Il faut taper l'œil ciel.
T'es pas prêt. J'ai eu l'appel, mais j'ai fait croire que non, ah, j'ai tapé le, j'ai continué. C'est quoi? Voici troisième encore. Elle m'a pas laissé. Hein. Moi, j'ai fui. C'est là maintenant, il a commencé à voir tes vidéos, tout ça, il a commencé à te suivre. Joseph. Il dit, il est fait pour Joseph, c'est nous. Toute une journée, j'ai regardé la vidéo. Jusqu'à. J'ai vu que non, c'est qu'elle est dedans là. Je me rappelle même la base même de la relation. Même. Je me rappelle de tout ça. J'ai vu que non, moi-même, j'étais en erreur. Parce qu'il a fait un truc, un an, je draguais la fille, elle refusait, mais moi, elle faisait, mais oui, ils sont là. Voilà, d'accord. Sinon, la manière dont tu rentres dans la relation, c'est ça. C'est là, je suis, quand je suis, j'ai regardé tes vidéos, j'ai vu qu'effectivement, tu as raison. Moi-même, vu que mon affection, la chambre, il y a mes yeux, que j'ai enlevé sur ton habits, les télés, pourquoi. Alors vous, c'est dans vous. J'ai enlevé mes habits et j'ai gagné en temps. Je pas comme sinon, genre, je suis avec mes amis, quoi, mais sans lui dire quelque chose. Et j'ai bloqué tous ses numéros. Tous les gars, je sais que non, ils vont m'appeler pour elle. Là, quand quelqu'un m'appelle, on parle d'elle net. Là, il dit, si tu ne veux pas qu'il bloque, ouais. Faut parler d'autre chose. Si tu me parles de la fille, là, moi, elle était bloquée, hein, fraissant. Elle était bloquée. Mm. Parce que les personnes même qui sont autour de moi, même à ceux qui sont proches de moi, ils savent ce qui s'est passé. Donc, quand elle les appelle, quoi, ils disent, ah, on a compris, on lui parlait. Et ils ne parlent jamais de ça. Et mais, j'ai assis et dit non, elle bêta, c'est un oui. Mmh. Tu dis là, bro, ah, c'est réel. Bêta, c'est un oui, oui. Ah, c'est très réel. La vraie vie, où les mots, voilà. C'est ce film. Elle ne rend jamais ta vie compliquée. Tout ce qu'elle est rendu là. C'est ton kiki. Elle te dit, tout ce que tu dis est fait. Ah, tu mon Dieu, les mots. En fait, là, c'est ce qui fatigue les hommes, t'es que non. Ils sont jamais tombés si femme qu'elle fond d'eux. Quand ils tombent si femme qu'elle fond d'eux, de toi, tu peux plus gérer femme, tu n'es pas fond de toi. Et c'est ce qui est arrivé, je suis tombé sur une dame même là. Et dit, Mousso, là, elle est mal fond de moi. Tout ce qu'il dit est fait. Donc ça fait que non, les goûts même maintenant même là, quand il prend ton numéro, il pose avec toi, tu ne me réponds pas même à moi, mais il dit, ouais. Tu ne me réponds pas, il dit, ouais, il dit, ah. Mais tu vois qu'il ne va pas te répondre non. Elle est jazz fan de toi. Il dit si c'est cruel à ça. Si c'est simple là. Pose-y même, t'inquiète. Il dit, ah, il y a mousseau. T'as trop de mousseau. Il dit, mais pourquoi il me fatigue. C'est tombé là moi-même. Il dit, si t'as le même. Il dit, mais j'ai perdu mon temps si c'est tombé là, 50 cadeaux. Il faisait beau, c'est debout, et toi, tu es là, c'est toi, tu es en train de fatiguer. Donc. Et non, c'est la horrible. Être bêta, c'est quelque chose. Ah, c'est la horrible. Prends ton énergie, ça te fait perdre le temps. Et puis, ce que les hommes ne comprennent pas, en fait, ce que les hommes ne comprennent pas, et puis ils continuent toujours de s'embrouiller, c'est quoi? C'est que, en fait, une femme te fait perdre un an, deux ans, trois ans. Mais il faut savoir que. Il y a un homme qui est millionnaire, il va venir la prendre, un bêta millionnaire, il va venir la prendre, il va chercher sa vie. Toi, ce temps que tu as perdu là, tu pouvais prendre ça pour devenir riche, tu as joué ça. Effectivement. Effectivement. Et puis elles sont là. Elles sont là. Elles ne s'aiment pas, hein. Mais elles avaient fort. C'est fort, hein. Le joueur gagne quelqu'un où elle sait qu'elle peut se caser là. Toi, elle te jette automatiquement. Et puis elle va chez le dernier. Et puis l'hyper gami n'a pas de cœur. L'hyper gami n'a pas de cœur. Femme, l'hyper gami n'a pas de cœur. Si tu sens une femme que tu sens qu'elle ne t'aime pas, tu sens qu'une femme ne t'aime pas. Non, il y a les femmes qui aiment elle, et puis elle t'aime, et puis à un moment, elle ne t'aime plus. Tu comprends un peu, non? Wow. Tu sens que la go commence à changer, elle te manque de respect, tout ça. Mais elle ne veut pas partir. Tu comprends un peu? Mais elle ne veut pas partir. Et elle t'a donné deux raisons pourquoi. La deuxième raison, la première raison, c'est quoi? La première raison, c'est que la femme, en fait, elle n'a pas encore trouvé un mogo qui donne ce que toi, tu donnes là. Ou bien plus. Bienvenue.
Tu comprends un peu? Elle n'a pas encore trouvé ça. Ou bien, deuxième chose, c'est quoi? C'est que l'homme qu'elle a trouvé là, tu vois, elle est fan de lui. Il a l'argent que toi. Mais lui, il ne lui a pas encore donné l'assurance que lui veut sortir elle. Tu vois? Donc, elle n'est pas sûre. Tu vois, elle n'est pas encore sûre de lui. Parce que lui, il n'a pas encore dit que non, tu es ma go, tant. Il n'a pas encore commencé à la traiter comme sa go. Il continue de la mougou, mais elle voit qu'il s'en fout d'elle un peu. Donc là, ce qu'elle fait, elle reste avec toi. Tu vois un peu, elle reste avec toi jusqu'à ce que l'autre là, il va bien la positionner. Quand il commence à bien la positionner, tu comprends un peu, là maintenant, là, elle s'en va. Mais pendant ce temps qu'elle attend que l'autre la positionne là, comprends que ses émotions ne sont plus à toi. Ses émotions sont déjà parties chez lui. Ce qui fait que tout ce que tu fais, ça l'énerve. Même souvent là, elle veut se forcer. Pour bien se comporter. Mais elle ne peut pas parce qu'elle ne peut pas. Ses émotions sont plus fortes qu'elle. Ça la tique quelque part. Elle n'est plus fond de toi. Et les hommes n'arrivent pas à laisser. Ils s'accrochent à ces petits fils d'espoir là. Que non, on est carré à apprendre à se connaître. Voilà. C'est le pourrie. C'est le pourrie. T'as fait ton temps, ton énergie, ton présence. C'est le pourrie. On vient de moi, il parlait. Quand une fille te dit ça, mon fils, ça m'a fini de carré à parler. Je l'ai fait en vie. Mon vieux, il y a rien. Qu'à science, il y a pour mon petit, là, on va poser un peu, non, tu vois, non. Il n'y a pas de il faut poser, bro. Les enfants, on est ensemble, ciao. Petit, faut lancer ton film. Bah, vieux. D'accord. C'est que si, avant de commencer, sois salut, mon vieux. Les enfants, mon fils. C'est un gay. Merci pour ce que tu fais. Ouais. Tout compte fait, sache qu'à moi, tu es connu par le biais du vieux clashé, regardez. Tu t'appelles comment? C'est Yves Roland. Ok, pardon. Vas-y, continue. Voilà, il était connu. Je t'ai connu par le bien du vieux clashé, regardez, tu vois. C'est mon façon, c'est mon sang. Je connais, voilà. Donc vraiment, merci pour tous tes messages, tout sur TikTok, partout, tu postes tes moments. Ah, je suis vraiment fan. Mais après aussi, moi, ça m'a motivé vraiment à monter en live. Donc, chaque fois que tu viens live, Insta, il voit les rédifs, mais il dit, tiens, là, c'est comment. Donc, je me suis concentré, il est bien suivi, je suis là. Dieu merci pour moi. Bon, avant tout propos, je veux dire, l'expression bêta et alpha, tu n'avais aucune notion même. Ouais, non, tu ne peux pas avoir une notion. Mais en vérité, bêta, alpha, c'est des mots comme ça qu'on utilise pour décrire les hommes masculins et les hommes qui ne sont pas masculins. C'est juste dans les vidéos. Sinon, dans la vraie vie, il n'y a pas ça. Tu vois un peu. Tu sais que lui est masculin, c'est un homme qui s'est fait respecter. Et lui, c'est un homme qui fait comme femme. C'est tout. Ouais. Donc c'est un peu ça. Depuis genre, il n'y a pas de mes 17 ans, Siri a commencé à fumer ma masculinité. J'ai dit que partout était mes frères sans même. Arrivé un moment, mais que c'est mes frères sans même qui m'envoient parler. Je l'aime, aimer les moments. J'ai dit que ça dépendait juste à ce que là. Si moi, je suis gamin, il a allumé son moment là. Il a peur, il dit, ah, il faut se servir, il ne faut pas toucher ce qu'on croit. Tu vois, non? Ouais, toi, t'es un qui n'a pas de non. Quel jeune même m'appelle compétent. Non, je connais. Et mon mousse dans le cas. Il voit ta science, c'est que tu es un vrai garçon. Voilà. Il y a mon mousse dans mon cas. Il y a un coup, tu vois, mon vie. Ok. Donc, à cause, j'ai encore de mes frères, ils sont obligés d'aller me promener. Mais si moi, je suis pas là, ils vont pas casser le FB. Ils n'ont pas ça, ils peuvent pas crier. Ils peuvent pas crier. Il va les mousons, mais comme il vient quoi, il a comme mes deux, ils sont gamins, ils vont arriver, ils vont aller en prime. C'est que. Quand t'es bon là, mon boulot, d'être fan de ton frère, ça va devenir fan de toi. Voilà, c'est le côté négatif qui est là. Tu vois, non? Négatif, petit. Voilà, mais ils n'ont pas courage d'aller par les femmes. Toi, tu penses qu'il vient toi. C'est pas fou aussi. C'est pas fou. Voilà. Continue. En tout cas, il y a eu des situations quand même. Il y a eu des situations, comme t'as expliqué là. Moi, mais ça m'a fait mal tellement. Qui après de vraiment, je suis un gars en amitié. Voilà, il aime trop. Donc, il n'y a pas ce qui non, ouais, ça va me plaire. Voilà, pas ça, mon ami. Voilà. Bon, on va commencer d'abord pour la petite histoire pour mon frère. Sans et même gérer le mousseau pour elle. Quand la petite est gamée, quand il cause mon frère, ça est souligné. Ah, petit, c'est comment qui a mousseau à coin. Les petits, ils vont s'amuser. Moi, ils se jettent. Donc, un jour, il y a eu une petite organisation de fête. Nous tous en étaient calés. Le petit est là, la mousseau là, il vient causer mon frère. Après ça, que Moussa est l'un des secondes, il faut te concentrer. Tu n'as même pas causé, même, c'est blanc, balé, puis la ton.
Et moi, on a parlé de la négligence. Donc, on a fini, on a teasé tranquille. On a fini la job. Maintenant, en rentrant, lui dit non, que lui, c'est à la maison. Hein. Maintenant, les deux sont là-dedans, du coup, mais pas même à bouche dedans. Tout le monde au courant. Donc, la gueule dit, mais, t'as tu nous laisses quand tu t'en vas, pourquoi tu es pressé? Il a fait son malin. Il dit non, tu regardes à cause, et puis il est parti, nous a salé. Donc, il a fond. 22h. On est resté. 22h. On est seulement resté 3. Moi, le mousseau et un autre pressant. On est là, causé. Dans la causerie, elle est calée dans son allée. Elle est rentrée dans la galerie. Dans la galerie, elle est rentrée. Elle est gâtée. Puis elle est mouman. À côté de moi, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon frère sans lui, c'est pas qu'elle est là, regardez. Elle est baisée. Il connaît petit. T'as fort. Donc maintenant. Arrivé un moment maintenant. Mon frère aussi me regarde. Tiens, il voit qu'il cosplay lui, non? Et puis moi, je suis concentré sur la petite. Donc, lui aussi, il dit sa tête. Il regarde, il y a vraiment la petite, mais on est gamin. Et nous, il y a un début, dit, vous faites quoi, quoi? Il est gamin, petit, t'as ta gueule pour eux. Dégage. Donc, dès qu'il a vu ma réaction, lui, il a vu que, moi, elle est d'un autre gamin. Il dit, ok, à fond, moi, vous pouvez, moi. Il dit, ok, il dit, dans mon cœur, il dit, c'est assez. C'est assez, même. Il dit, mon vieux, à 22 ans, là, devant sa porte, mon vieux, il n'y a pas un moment, son pagne, déposé, ça allait vite. Là, il t'avait le moment, tu vois, non, maintenant, là, ça coûte mon frère, ça, il ne voulait pas faire ça, mais après, le moment, moi, il passe au quartier, il veut prier, moi. Mais mon frère, c'est parti, il a dit, qu'il lui, il avait l'air, non, ah, il y a un fou, moi. Le mousseau est resté, mon... le mousseau, mais n'est pas grand, messieurs. C'est la fin. Et mon frère, non, il m'a fait asseoir, qu'on discutait, il a dit, en vérité, moi, c'est père, le gars, il me faisait malin. Donc, à moi, si je n'ai pas gâté mon nom de un, je dirais mon bouton, t'as laissé tomber. Hein. Moi, je n'ai pas laissé le mousseau. Mais lui, il t'envoie voilà. Une mission pour aller gérer. Si j'ai la mission, maintenant, lui, il ne veut pas concrétiser. Tu concrétises. Voilà. Non, ce n'est pas l'acheter. Ce n'est pas l'acheter même. C'est la rue. Ça, c'est la rue. Ce n'est pas gros voilà. De ton frère. Ce n'est pas sa go. Voilà. C'est pas sa go. C'est une go que vous avez rencontré dans l'allée. Tu lui as donné le moment, frère, il faut framponner. Il ne veut pas framponner. Ça t'a pris. Elle c'est là. Tu as mis dedans. Y a pas de bruit, faut pas t'aller regarder. Voilà, donc tu vois, non, ça c'est les histoires quand on est encore plus jeune, 18. Voilà, et après aussi, l'homme et son bac, on arrive à Babi maintenant, tu vois. Tout compte fait comme tu as dit à l'ambassade, tu étais là, non, il voit ça, filmé toujours. C'est là, ben moi en débat, il y a un gros, ouais, hein, même pétard, un petit, ça va pas dans ta tête, et qu'on est, il voit les gigas. Voilà. Donc, sérieusement, quand j'arrive au campus, j'étais dans mon coin tranquille, le causerie. Maintenant, moi, il y a une notion. Je dis, ah, ils ont lancé un groupe de licence. Mais tu sais que tu dois aller vite un peu, non? Parce qu'il y a les éléments aussi qui vont monter en live. Donc, tu dois accélérer aussi pour qu'eux vont pouvoir venir. Toi, tu as jeté vieux là, non? Quelqu'un veut te jeter aussi. Tu connais accélérer. Allons-y. Donc, voilà, quand j'arrive au campus, il y a croisé une petite. Et moi, comme tu as dit là, moi c'est bien souvent à ma cité, tu peux tomber ou bien c'est comment? Dans les go. Et c'est pas si c'est possible. Là, moi, il a expliqué l'histoire, mais moi il voulait savoir vraiment. Est-ce que quand quelqu'un est masculin là, il est possible de rester masculin jusqu'à ce qu'il croit une fille qui pue, genre, arrive un moment, je ne vois pas ça quand arrive un moment, il va voir que là, la go c'est foutu de lui maintenant. Non, mais voilà, moi, je peux dire que c'est mon frère. Tu vois un peu là, voilà. Ça arrive. Tu peux être mort là, non? Tu es fond d'une go. Et puis vous êtes sortis ensemble, tu vois un peu, non? Mais à les petits moments, tu as laissé tomber. Tu vois un peu. Mais est-ce que. Non. Hein? Tu vois, non? Et à les petits moments, tu dis que non. Hein? Quoi. Mais comme tu es fin, souvent, tu es fatigué, et puis tu laisses certaines choses tomber. Mais à les paroles que ton mousseau n'a pas que de te parler. Et si, fin. Tu comprends? En tout cas, merci d'avoir parlé. Il y a les paroles que ton mousseau n'a pas que de te parler. Non, tu le petit qui passe elle-même. Ta gamme, même elle connaît. Non. Pas avec lui. C'est quoi, c'est. Avec Junior, mais lui là, non. Tu vois, non. Non. Voilà. Donc, pour la petite, toi, la petite, on s'est connu. Elle est tombée fin. Moi, c'est pas seulement les dagues à la base. Il y a plus son numéro dans le groupe WhatsApp. Moi, j'ai fait un choix. Quoi. Il y a eu pour sauter pour faire prix. Traquer le mousseau, elle a des mousseaux dans le campus. Ça se promène. Bien, tu vois. Mais vraiment, son fin. Première licence, on a fini ensemble, on était ensemble. C'est-à-dire, on avait un ensemble. Mais mon vieux, la petite amour, on mettait fan d'elle. Causerie, arrivé un moment là. Je ne sais pas ce qu'elle te dit.
La vie, c'est comme ça. Elle a commencé à se mettre au-dessus, mon vieux. Voilà. Tu vois, non? C'est ça. Genre, parce que même comme tu as dit, excuse-moi, comme tu avais dit avec le vieux, que il y a des personnes qui, genre, avec un moment, une fille va te montrer qu'elle t'aime, puis avec un moment, elle change. Exactement. Voilà. Elle m'a montré ça, genre, elle n'était pas trop intéressée dans cette relation, mais elle était à fond. Chaque jour, elle m'envoyait un message, elle m'appelait. Il ne peut pas dormir, même en bruit, en bruit. Tu dois remarquer quelque chose. Ouais. Remarque quelque chose. Tu n'étais pas trop franc. Elle t'envoyait les messages, elle t'embrouillait, brouillait. Maintenant que tu as devenu, a commencé à devenir trop franc, à te gammer le ciel, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue à Abidjan. Non, elle m'a chier. Voilà. Elle m'a chier. On ne sait pas, elle, en vérité, qui a changé d'abord. Toi, tu as changé premier. Ouais. Tu vois un peu, non? Ta gamme de moussies que tu avais, tu partais causer tes frais sans, tu partais gérer tes moments, tu n'es pas toujours ton temps, tout. Là. Ça faisait qu'elle était fan d'elle, de toi. Mais une fois que tu as commencé à toi te gammer, tu peux être fan du mousseau. Tu peux être fan du mousseau jazz. Tu comprends un peu, non? Mais là, non. Faut pas trop montrer ça aussi. Mais quand tu commences à trop montrer, tu commences à se foutre de toi. Toi, mais tu vois le vieux et sa femme, non? Tu vois ton papa et sa femme, non? Tu prends le vieux n'est pas fan de sa femme. Mais tu vois, est-ce que tu vois le vieux dit, bébé, je t'aime, quoi. Le vieux, mais il rit pas même. Ah, il rit pas. Il rit pas même. Mais c'est pas lui qui n'est pas fan de sa femme, hein. Il est fan d'elle. Mais là, il rit pas souvent, il rit, elle est peu, quoi. C'est quoi tu dois faire, en fait. Tu vois un peu, non? Quand une femme commence à voir qu'il lui, il voit dans ses narines maintenant, hein, elle s'est fout de toi. Donc, même quand tu es fan, tu lui montres un peu. En fait, tu peux lui montrer que tu es fan. Mais en même temps, dès que bêtise se met en même temps, tu lui dis que tu t'amuses, moi, tu te dégages. Malgré que tu es fan, tu lui parles ça. Tu comprends un peu, non? Tu lui parles ça. Ouais. Tu lui dis que t'es bêtise que tu fais, t'es causerie dans le portable de l'homme là. Tu fais et puis elle voit, toi et puis moi c'est fini. Et puis quand tu fais, elle fait et puis tu vois, toi et puis elle c'est fini, vrai. Mais quand ça te fait mal, tu dis qu'il était là par les doigts, comme tu as déjà dit, tu dois faire. C'est comment les femmes te respectent. Ce que tu dis dans ta bouche, tu dois faire forcer. Ça te condamne à faire parce que tu as dit. Souvent tu dis à une fille, tu fais ça et elle te laisse. Et puis elle fait. Et puis tu n'as pas envie de la laisser. Mais Marie, comme tu as déjà dit là, un homme là, c'est sa parole. Tu as déjà dit que si elle fait, tu as la laisser, non, ça te fait mal, hein, mais tu dois la laisser. C'est là, elle même commence à voir que hey, lui, c'est un garçon, vrai. Ce qu'il dit, il fait pour des vrais. Après, au début, c'est difficile, mais à force de faire, tu deviens champion dedans. Tu peux pas imaginer le nombre de gros qui est laissé payer. Il était fan d'elle, mais il dit que. Il t'a dit que si tu fais ça, elle est montée à partir. Elle est partie. Et lui a dit que si, ça me fait mal, mais elle est partie. Aujourd'hui, ça me fait plus mal, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle me respecte de loin. Tu comprends, non? C'est ça. Bon, oui. Un homme se reconnaît par sa parole. Effectivement. Donc, pour poursuivre l'histoire, mon vieux. Ok, vas-y, en tout cas, terminer maintenant. Il lit bien les commentaires. Vous voyez, c'était pas ma première mousse à Babi. Moi, c'est un garçon. C'est une mousse qui m'a mis dans un moment. Ce n'était pas ma première mousse. Donc, pour revenir. Voilà, donc, du coup, comme tu as dit, il lui disait toujours. Même souvent, au moment où Jean faisait son malin, elle faisait ses baignons-là. Quand il pose ça, il lui dit. C'est-à-dire qu'il finit de lui parler, non. Et puis, moi, je suis arrêté. Puis, tellement ça me fait mal. Tu vois, non? Mm-hmm. On échangeait comme ça, on est resté dans ça jusqu'à un moment. On devait composer un vendredi. Voici où là? La vase d'eau qui a débordé. Comment il y a l'eau qui a débordé la vase d'eau, tu vois. Le vendredi, en c'était pendant la période d'élection. Elle, on a échangé, elle dit bon, vraiment, moi, il était parlé sur le même, m'a dit. Moi, et puis toi, demain, ensemble, on constaté que tu as changé, on a causé à 22h. Comme demain, on compose, on finit vite, on finit à 17h là. Moi, il m'aime bien que, on se voit nous deux, on s'assied d'un point. Elle te dit, ce que j'ai le cœur. Parce que vraiment, il me sent plutôt à l'aise. Écoute, quand femme change de comportement, écoute bien, il ne faut jamais oublier. Quand une femme change de comportement, tu ne lui dis pas que j'ai remarqué que tu as changé. Tant. Avant de changer, elle t'a donné un avertissement. Non. Elle a changé seule sans te prévenir. Non. C'est comme ça, tu remarques qu'elle a changé. Puis toi aussi, tu changes aussi sans avertissement aussi. Non, il ne faut pas lui dire. Parce que quand il lui dit là,
ça lui fait penser que tu veux arranger la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? La go là commence à prendre ça pour jouer. Puis quand tu veux arranger la situation, c'est dit que tu es fan. Tu t'en fous aussi, ça n'a qu'à se gâter. Tu comprends, non? Voilà, donc faut utiliser ça pour tes prochaines relations. Tu es fan d'une go, elle change. Tu lui dis pas que bébé t'a changé. Tu lui dis pas ça, toi aussi tu changes. Tu ne réponds plus à ses mandats, tu ne réponds plus à ses appels. Elle veut venir te voir, tu dis que non, il ne veut pas. Mais femme là, quand elle commence à changer, elle vient te voir chaque jour, et puis elle arrête, elle vient te voir chaque deux jours. Faut pas lui dire que non. Pourquoi tu viens me voir chaque deux jours maintenant, hein? Les deux jours qu'elle veut venir, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis que non, lundi et puis mardi, je ne suis pas prêt. Elle veut venir deux jours, non. Toi, mais tu ne veux plus qu'elle vienne. Là maintenant, elle redevient normale aussi. Tu comprends, non? Si elle change, faut pas lui dire non, tu as changé. Non, tu lui dis rien. Toi-même, tu changes aussi. On dit pas. Oh oui. Ouais. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que dans relation, il y a des communications qui sont non verbales. Elle ne te dit pas qu'elle s'est changé. C'est son comportement qui te parle. Son comportement t'a dit qu'elle a changé. Elle t'a pas dit ça dans la bouche. Donc toi aussi, ton comportement, ouais, ouais, en fait, lui fait comprendre que il a compris qu'elle est changée. Donc il a changé aussi. Ouais. Tu comprends, ouais, ouais. Voilà, continue. Oui. Voilà. Donc, du coup, elle m'a dit au téléphone que ça ne sera pas possible parce que sa maman lui a dit non. Actuellement, nous sommes dans une mauvaise période à Bali. Donc, quelque chose s'est passé. Parce que dès qu'elle finit de composer, là, elle va rentrer directement. Elle est vite. Quand elle fait ça, elle dit qu'il y a. Elle capte. Il dit qu'il n'y a pas de souci. C'est compris. Donc, on arrive au campus, on finit de composer. Et malheureusement, il dit que malheureusement, pour elle, là, on s'est vu maintenant. Moi, là, j'étais avec mon frère sans qu'il y ait un épouse son mousseau, si on était calé, nous trois. Là, il y a la pétine qui passe. Là, elle sait pas, mon frère, c'est pas que moi et puis elle, on est en froid. Non, ouais. Elle va nous dépasser, voilà. Donc, elle est venue vers nous tranquillement, me saluer. Elle a fait mon frère sans. Elle a échangé avec moi. Comment tu vas? Il dit, il va bien. Puis elle dit que, ah, tu vas où? Il lui a demandé, tu vas où? Elle dit non, que, bon, là, elle rentre, mais elle va partir prendre un document en cité. Les couleurs sont fortes. J'ai un démentiel. Elle va aller prendre un document en cité. Elle dit un document. Donc, le temps que tu allais prendre un document là. Et puis, tu as rentré, mais tu es sûr que tu as rentré avant les 18 ans, tu as mardi. Elle dit non, mais on ne sait jamais que moi, ce qu'il y a de moi. Elle dit qu'il y a à fond. Elle dit qu'il y a à fond. C'est bien. Il n'a plus parlé de moi, donc il était chaud. Mon frère, ça me regarde, qui m'a dit à quoi? Ok, non, tu as été simple. Il dit non, bon, il faut laisser aller là. Et c'était un autre moment. Père, il ne voulait pas tout changer. Elle est partie. Elle a bougé, donc elle est restée dans le campus. C'était le dernier jour, donc elle est restée dans le campus. Il y a une autre qui m'a appelé vers le quai. Je suis parti. Non, mais va voir ça, mes premiers dans le campus. Elle m'a vu à 20h. 21h. Il revient accompagner la fille. Elle dit fait trop noir de l'accompagner. Donc il l'accompagne tranquille. Il arrive au carrefour. Quelque chose, genre, il donne des masques. Quelque chose, il me dit regarde devant toi. Ta goût était regarde devant moi. Mon vieux, t'as assis. Un mot. Bon. Ah, ils sont dans le manger tranquille, genre. Personne n'a attrapé quelqu'un, mais elle a son petit sac. Mais le gars à côté, mais mon petit, c'est qu'il y a les pas qui ne chèvent pas. C'est que quand on sort du jardin d'Eden, la démarche en deux, monsieur, madame, on connaît. Chaque personne écoute quelqu'un, on est serré. On fait comme si on ne connaît pas, mais les gens sont non, la cité, les gens sont partis, genre, ils sont accompagnés maintenant. Il a fini la mougou. Tranquille. Voilà, même, il m'a pas dit, mais il s'est trompé, tout ça va. Allez-y. Non? Et c'est ce fort. Tu dois comprendre. Souvent, là, il y a des choses. Il y a ta go, ouais, qui change de comportement juste un peu, ouais, pour te tester. Et puis, tu la bois. Elle devient normale. Et puis, il y a les changements. Changements où ça, ta go commence à devenir distante. Elle vient plus te voir. Elle fait les bruits bizarres. Tu dois comprendre qu'automatiquement il y a un garçon derrière. Automatiquement, on ne doit pas te dire. Non, moi, c'est une idée. Elle commence à changer le comportement. Si c'est pour me tester, c'est. Si c'est affaire des garçons qui est derrière, c'est. Et puis, il ne peut pas laisser une femme changer quand elle va avoir un garçon derrière. Si tu rencontres un garçon, petit mon charingan est toi activé. Il sait. Il est tes points. Souvent, tu ne donnes pas de nouvelle à femme. Souvent, tu ne donnes pas de nouvelle à femme. Tu la bats, tu disparais. Tu supprimes son numéro, tu ne réponds plus à ses messages. Il y a quoi, il y a rien. C'est quoi, tu la bois, elle est partie. Non, on ne cause pas. Tu sais, non, on ne cause pas en fait. Tu ne causes pas pour lui dire non, tu as fait. Non. Tu ne causes plus jamais. Elle dit quand la fin est non.
Ma dernière go qui est bras, c'est qu'on est bras. Elle a changé de comportement. Il est bon. Elle m'a mis ça. Qu'est-ce que tu as changé? Parce qu'elle veut m'utiliser en fait pour qu'elle continue à la supporter émotionnellement. Il ne répond plus. Depuis 2021, il n'a plus répondu. Elle a compris. C'est 2 ans, il n'est pas répondu à son message. Il n'a plus son numéro. Elle comprend. Voilà, vas-y. Ouais. Donc, c'est comme ça, il y avait mon téléphone, il y avait 2 téléphones. La preuve, plus un petit téléphone, mais mon téléphone, l'autre était déchargé, donc ma puce était dedans. Rapidement, je me suis connecté. Ouais, souvent, moi, des situations qu'on a, ça peut arriver qu'il y a un peu pas dire la main. Dans la petite, sérieusement, elle m'a dit non, et si elle n'aime pas quelque chose dans sa vie, c'est la violence. Ah, tu l'as tapé, donc, faut pas les taper. Non, non, pas elle. J'ai le gars. Ouais, c'est juste moi, je vais m'arrêter. Ça pas forcément les taper, mais viens causer. Si elle est arrivée, peut-être qu'elle est arrivée. Non, mais est-ce que le Moro, c'est un gars du campus qui sait que c'est un beau? Non, ça, vraiment, lui, c'est pas un. Mais moi, lui, me connaît pas, mais moi, je le connais. Il ne va pas faire par la belle, lui. Tu comprends un peu? Voilà. C'est qu'il sait un Moro, tu ne va pas faire par la belle, lui. Voilà. Tu dois, quand il voit qu'on sait que tu dois faire, si tu as vu ta go un Moro, si tu as vu ta go un Moro, ce que tu dois faire là, tu fais tout pour qu'ils vont te voir et puis tu t'en vas. Elle n'a qu'à voir que tu l'as vu et puis tu t'en vas. Laisse-moi. Tu as compris, non? Si tu vois ta go un Mogol, elle n'a qu'à faire tout. Tu fais tout pour qu'elle n'a qu'à voir que tu l'as vu. Tu comprends un peu? Et puis tu t'en vas. Tu ne parles plus jamais, elle, c'est fini. C'est fini. Merci, merci pour tous ces conseils, tu vois. Voilà. Donc, pour poursuivre, voilà. On n'est pas arrivé à la main, il n'est pas tapé quelqu'un. Voilà. C'est loin. Il a pris un téléphone, elle met son numéro. Allô, oui, elle a décoché que tu es où, elle dit le campus, elle ne m'a pas menti. Elle dit actuellement, quand tu es là, elle dit oui, qu'il y a eu des choses qu'elle attend de finir cette truc. Voilà, que actuellement, elle vient de finir cette truc, c'est maintenant temps de rentrer. Il était à fond. Sinon, moi, tu m'as dit que tu allais rentrer avant 18h. Allez, où on part? On part avec 21h, 20h30. Je ne crois bien pas là. Elle me dit, ouais. Elle dit, bon, en vrai de vrai, le gars, tu es là actuellement. Sérieusement, j'ai eu tellement de respect, mon vieux. C'est que ça, même, c'est même pas normal, mais c'est pas, peut-être, c'est de l'amour bête, tu vois. Que faut le dire, là, quand tu es laissé là, que ton mec est là, qui va venir avec toi. Oh, comme ça, vous allez continuer. Bon. Ça, c'est pas bon. Ouais, ton mec est là. Tu n'es plus son mec. Si tu l'as vu un Moro qu'on est dans la position, toi tu n'es plus son mec. Toi tu l'appelles pour dire que tu es mon mec. Tu l'as dit et ça va. Et si derrière toi, hein, faut me saluer. Coucou. Et puis tu t'en vas. C'est comment tu l'as posé. Tu vois, non? Non, mais ouais, ouais. Donc du coup, elle m'a pas écouté. Comme tu as dit, il y a une technicienne, moi je viens de les dépasser. Mais ça a été un carrefour. Mais ça a été au carrefour maintenant. Mais ça a été au carrefour. Les gars viennent me dépasser. Elle t'a dépassé aussi. Et maman, ouais. Elle m'a dépassé. Donc, tu t'es mis soi. Bien, même mon vieux. C'était ma barre. Tu t'es mis soi. Parce que les collègues, elles ont fini. Mais l'homme soi. Tu la vois qu'on est. Ça va. Coucou. Tu t'en vas. Tu t'es mis soi. Ouais. Elle t'a mis soi devant le ouais. Moron. Donc lui maintenant, je pense qu'il est un super héros. Tu comprends un peu, non? Lui-même, en fait, comme il a dit, lui ne me connaît pas. Hein. Donc comme je vais m'arrêter, mais il ne sait pas qu'il y a question de moi, son, le mousseau. Mais lui ne me connaît pas, c'est lui qui me connaît. Maintenant, c'est là maintenant, moi, elle dit son nom. Et elle s'est arrêtée. Quand elle s'est arrêtée, elle a dit, oh merde. Donc lui, il s'est arrêté, non. Maintenant, c'est là maintenant, le gars a capté. Il s'est arrêté, mais le gars, il a regardé. Il n'a rien dit, il s'est retenu sur les patchs. Et puis maintenant, c'est pas dit causer elle. Oh, c'est ce que j'ai dit là. Il n'y a pas de mentir à cet instant. Il n'y a pas menti. Sérieusement, moi, j'avais perdu ma masculinité. Mais il y avait tellement de magie. Et c'est, ouais, pas, c'est même fait, pas dans quel état. Avec du recul, quand il m'a soigné, il réfléchit. Il n'arrive pas à croire que c'est moi qui j'ai me suis comporté comme ça. Mais ça arrive. Ouais, ça fait très mal. Non, il voit. Il comprend ta science, petit. Ça fait très mal. Tu as rencontré ta go. Ouais, ça, il parle. Moi, il parle du fait parce que je ne suis pas dans les émotions pendant ce moment-là. Mais il voit un peu ce que tu as ressenti. Il voit ta go, un autre mot. Ouais, il voit la science. Il voit ce que ça fait. Il connaît. Il voit. Donc, qu'est-ce que tu as fait ensuite?
Voilà, on a causé. Moi, il a dit, mais moi, il croyait en toi. J'en ai pas forcément. Tu peux être vraiment une des filles. Mais ce que tu m'as montré, il croyait pas que tu pouvais te comporter comme un pays. Non, elles sont comme ça. Tu comprends? Tu montrais que non, t'es la meilleure. Genre, la fille 40 ans qui te cause bien. T'es pas dans les trucs, quoi. C'est quoi ça? Même si tu disais qu'il y a plus de tirs, sans plus quelque chose pour moi. Il a dit, toi, tout ce qu'il y avait, il peut pas me rappeler. Une femme ne ressent plus quelque chose pour toi. Les femmes sont pas assez honnêtes pour te dire que non, je ne ressens plus quelque chose pour toi, non. Elles te font chier jusqu'à ce que tu t'en ailles. Et c'est ce qu'elle vous a dit. Une femme, en fait, ne te dit pas c'est fini en nous. Une femme ne te dit pas ça. Les femmes, elles parlent de manière passive. Tu vois un peu? Les femmes te parlent de manière passive. C'est-à-dire quoi? Si elle veut que la relation finisse là, elle te fait chier ou bien elle te manque de respect. Juste pour que toi, tu t'en ailles. Tu comprends un peu? Pour que toi, tu t'en ailles. C'est qu'elle fait tous ces trucs-là pour te faire chier, pour que toi, tu t'en ailles et que tu ne t'en vas pas là. Qu'elle-même, elle te quitte. Tu comprends un peu? Mais une femme aussi, malgré qu'elle te fait chier pour que tu t'en ailles, là, quand tu lui dis que hey, c'est fini, elle va toujours venir vers toi pour te dire que non, pourquoi c'est fini? Pourquoi c'est fini? Pour se laver la conscience. Tu sais pourquoi? Pour que demain, ils vont dire que ah, il m'a quitté, il lui a demandé pardon, il n'a pas voulu. Genre, c'est lui qui a fini la relation. Pourtant, au fond, elle sait que c'est elle qui a fini la relation. Tu comprends un peu la manipulation des femmes? C'est comme ça qu'elles travaillent. Tu comprends un peu ce game là? Apprenez le game et regardez les vidéos qu'il fait là. C'est important. Regardez les vidéos qu'il fait là. Pendant ce temps, il n'avait pas assez à toi. Non, il sait. Si tu avais assez à moi, tu n'allais pas faire ça. Il sait. Non. Mais tu as compris un peu le game, non? Voilà. Faut plus tomber dedans. Tu vois, non? Voilà. Sérieusement, là. Elle m'a dit non. C'est là, mais là, quand elle est rentrée dans les trucs, non. Moi, sérieusement. Genre, l'amour que tu me renvoies, n'arrive pas à te renvoyer ça. T'as vu, donc, c'est ça, tu l'attrapes maintenant, elle va dire que bon. Voilà. Elle a commencé un séjour au cours vraiment trop sérieux, bien. Donc, ça n'a pas été lancé. C'est tout et tout. Et puis, on ne s'est plus parlé en étant campion, c'est vous, on ne causait pas. Juste à ce que, aujourd'hui, je ne pas dit dans cette époque. Mais je ne pense pas. Bonsoir, les gars. Attendez, une minute et il va finir, puis je vais vous parler. Voilà. Bah, WhatsApp, la goût m'écrit. Y'a encore le fous dans le du côté. Voilà, mon vieux, tu vois, dans la goût m'écrit. Comme tu as dit à un moment que tu étais à garder, elle est là. Elle m'énerve, donc à moi, elle est boîte. Non, boîte. Ouais, je. Tu la connais plus. Et puis, il est boîte. Non, il est boîte. Elle m'écrit, il est plus tu. Donc, il est boîte. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Faut te barrasser toi. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Faut te barrasser toi. Faut lire les livres, faut tes propos, faut chercher l'an, faut payer les livres. Comment devenir riche? Ouais, il n'y a pas encore fini. Il vient 5 minutes, mais bon. Il y a les morts qui sont là. Il ouais. faut conclure. Ouais, il faut. Ok. Donc, pour conclure, un de les revenus, tu vois, non. Père m'a appelé. On a échangé que non, père, bientôt c'est mon nom. L'emploi l'autre côté. Tu comprends un peu, non? Et femme que quelqu'un dit qu'il sort une go, peut-être eux qui ont mougou avant toi et la foyer. Si tu sors une go, qu'est-ce qu'on s'est fait mougou ailleurs pour venir, tu la prends plus. Femme qui t'a déjà trompé, quel que soit comment elle revient, tu la prends plus jamais. Et c'est même pas comment vous faites. Et puis femme, moi je sais pas, il n'y a pas une de mes ex qui peut m'appeler. Elles n'ont pas mon numéro. Vrai, elles n'ont pas mon numéro. Et puis, connaissant, tu sais pourquoi les femmes arrivent à vous rappeler? Parce qu'elles connaissent vos sciences. Tu comprends un peu? Elles connaissent vos sciences. Moi, ma go, mon ex ne peut pas se lever pour m'appeler. Elle connaît ma gamme. Elle sait qu'elle ne lui arrive pas dans sa tête. Si elle m'appelle, elle lui dit qu'elle devait foutre. Il ne faut plus jamais m'appeler. Elle n'a pas le cœur de m'appeler.